On est donc parti pour quelques explications sur ce premier exercice de l'épreuve commune de contrôle continu. Commençons par quelques rappels, hein, je vous indique par exemple que le barème pour cet exercice est de 10 points sur les 20 points, que sa durée, hein, c'est à vous de la gérer pendant l'épreuve, vous ne devez pas excéder 60 minutes, plus ou moins quelques minutes évidemment. L'objectif ici est clairement de mobiliser ses connaissances, je vais y revenir dessus dans un instant. Et le point de départ de cet exercice est une question scientifique qui porte sur l'un des éléments, un ou plusieurs éléments du programme. Quels sont les objectifs de ce premier exercice? C'est de montrer à votre évaluateur que vous avez une bonne maîtrise des connaissances, dans un premier temps. Mais plus que ça, vous devez lui montrer que vous êtes capable de mobiliser et d'organiser ses connaissances, ce qui exclut d'emblée la récitation. Dans le détail, vous verrez que la formulation dans cet exercice-là obéit toujours à la même logique, quelle que soit la partie du thème qui sera abordée. D'abord un titre. Vous le voyez ici sur un fond bleu. Les divisions cellulaires chez les eucaryotes, dans le cas de l'exemple que je vous propose ici, qui sera systématiquement suivi par un propos introductif, qui donne un petit peu de sens à la question qui sera posée. La question justement intervient dans le point 3. Le verbe d'action sera systématiquement expliqué, présenté, justifié, montré, etc., etc. Ici par exemple, on vous demande d'expliquer les mécanismes aboutissant à la formation de deux cellules phi identiques. Enfin, dans la dernière partie de cette formulation, vous aurez une aide à la démarche. Ne négligez pas du tout cette partie-là. On vous demandera de rédiger un exposé structuré. Là, il n'y a absolument rien de nouveau, rien de particulier. On vous demande simplement d'organiser votre démarche autour d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. L'introduction sera l'occasion de définir les mots-clés, de poser une problématique et éventuellement d'annoncer votre plan. Le développement devra mobiliser ses connaissances et la conclusion devra donner une réponse à la problématique que vous aurez posée en introduction. Donc rien de bien original. Dans la deuxième partie, on vous suggère de vous appuyer sur des représentations graphiques judicieusement choisies. Alors ça veut dire que vous pouvez inclure dans votre développement, dans votre bilan, des formes graphiques qui vous paraissent les plus pertinentes. Schéma, courbe, tableau, carte mentale. Il faut faire un choix à ce moment-là. Et un élève qui n'est pas capable d'expliquer un phénomène biologique ou géologique par un texte, eh bien il pourra le faire par exemple par un schéma et n'en sera pas pénalisé. Enfin, la dernière partie, on attend des arguments pour illustrer l'exposé comme des expériences, des observations, des exemples. Alors, on attend ici des arguments qui illustrent l'exposé, comme justement des expériences, des observations, des exemples. Il ne s'agit donc pas seulement de mobiliser ses connaissances, mais de montrer comment ces connaissances ont été établies, en citant précisément des exemples techniques et expériences. Les critères de référence, il y en a trois. L'exactitude, ça paraît logique, il faut que les connaissances mobilisées soient justes. La complétude, ça veut dire simplement que les connaissances mobilisées doivent être complètes. Attention, je vous les mets ici en rouge, vous devez vous appuyer impérativement sur des observations, des exemples, des expériences. Enfin, il faut que votre démarche soit cohérente, il faut que l'exposé soit cohérent par rapport à la question scientifique qui vous aura été posée. Et je finis avec cette grille d'évaluation pour bien vous montrer que, au final, ce qui importe, c'est d'abord la qualité de l'organisation. C'est la première ligne de ce tableau. Il faut que votre démarche soit cohérente, qu'elle soit organisée. En deuxième, on regardera les éléments que vous apportez. Sont-ils présents en totalité? Sont-ils justes? Sont-ils bien mis en relation? Enfin, en troisième point, et c'est la troisième ligne de ce tableau, c'est la qualité de la communication.